Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce mercredi, je vous propose une recette de gaufres sans gluten, sans farine, sans lactose et sans sucre. Une recette hyper facile à faire pour les journées de flemme. J'espère que cette recette vous plaira. Je commence par mettre dans mon bol 2 œufs, 125 g de purée de sésame. Moi, la mienne, je l'achète en magasin turc, elle est plus fluide. Ensuite, j'ajoute de la vanille, une demi-cuillère à café de levure chimique sans gluten et une cuillère à café de vinaigre de cidre que vous pouvez remplacer avec du jus de citron. Je mélange bien avec le fouet jusqu'à l'obtention d'une texture très lisse et assez épaisse. Après avoir huilé mon gaufrier, je mets une partie de la pâte et je laisse cuire environ 30 à 60 secondes. Je vous conseille de surveiller la cuisson. Vous pouvez les garnir avec des fruits, du sucre glace, de la pâte à tartiner. Moi, cette fois, j'ai opté pour du sirop d'érable et franchement, ça se marie super bien. Donc, si vous n'avez jamais testé cette option, n'hésitez pas à la tester. Voilà la recette d'aujourd'hui, une recette hyper facile à faire pour un goûter sans gluten et sans lactose. J'espère que cette recette, en tout cas, vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao!